Euh, ce soir euh, pour ceux qui m'ont envoyé des messages me demandant oh messieurs tu ne fais pas de live tu ne fais plus beaucoup de live comme avant le live c'est pas la télé c'est pas le nombre de lives c'est pas ça qui fait l'efficacité c'est pas le nombre vous comprenez Michael Jackson qui est le plus grand chanteur de tous les temps n'a pas fait 20 20 albums hein. Il a fait, je pense, euh, il a fait à peu près entre 10 et 14 albums maximum. Ce n'est pas le nombre de lives. Moi, je ne suis plus là pour faire les lives tous les jours, tous les jours, tous les jours. Je vous ai déjà presque tout dit. Si vous voulez euh, voir, vous repartez dans les lives que j'ai fait, vous allez réécouter. La Bible, c'est comme ça, vous lisez, vous repartez encore, vous prenez la Genèse, vous allez jusqu'à l'Apocalypse, vous repartez, hein, vous, vous relisez. Vous revoyez les lives. Tout est écrit dedans. Tout est dit. On essaie de faire des ajustements, mais en fait, il hein, n'y a pas quelque chose que moi, Nando, je vais vous dire que vous ne connaissez pas sur ce qui se passe au Gabon. Tout est dit. Moi, je ne suis pas un phénomène de foire où je vais venir faire les lives tous les jours pour vous, euh, parce que vous revenez du travail, euh, vous avez passé une journée compliquée, donc vous venez faire le divertissement. C'est pas le divertissement. Pas le divertissement. On essaie de parler des choses qui sont extrêmement sérieuses. Vous comprenez C'est de ça dont il s'agit en ce moment. C'est pas le, le divertissement pour venir faire... Euh, euh, C'est pas la foire. Donc, voilà un peu. Alors, donc, euh, appelez les Gabonais parce que, quand même, le sujet que je vais aborder est extrêmement important. Vous savez que... Euh, je ne vais pas euh, cesser de le dire je vais le dire aussi souvent que je le pourrais. que euh, le Gabon est en phase de négocier un tournant important de son histoire dans très peu de temps nous allons négocier si nous ratons le coach si nous les gabonais nous ratons le coach qui arrive là entre maintenant et 2023 si nous ratons ça c'est pas la peine c'est pas la peine. Soit nous nous réapproprions notre pays, soit nous allons le perdre à jamais. Et tout va se passer en 2023. Il ne s'agit plus pédégiste, opposition, euh, résistance, société civile. Non, il s'agit du peuple gabonais à l'intérieur du Gabon qui se bat entre d'un côté le bien et d'un côté le mal. Je n'ai pas besoin de vous donner les noms. Vous connaissez les noms qui incarnent le mal. Vous connaissez les gens au Gabon qui incarnent le mal. C'est au plus tard en 2023. Au plus tard en 2023. Si nous laissons à. Et vous savez, je vais vous raconter quelque chose. Ces derniers temps, hein, puisque bon, c'est l'actualité, vous aussi, vous la, vous la, vous la subissez, hein. Euh, vous êtes en train de regarder, à, comme moi-même, comment les Ukrainiens, l'Ukraine, les Ukrainiens sont en train de défendre leur pays. Les Ukrainiens. Fa face à une puissance, une puissance, euh, l'un des pays les plus puissants au monde militairement, les Ukrainiens. Les Russes disaient au départ qu'on va là-bas, on fait une semaine. Ça ne va pas durer une semaine. Tout le monde croyait. Tout le monde disait, oh, la Russie va se déployer. En une semaine, l'Ukraine est terminée. Mais je vois tous les jours des Ukrainiennes, des Ukrainiennes, et je dit les Ukrainiennes, les femmes et les hommes, qui n'avaient jamais fait l'armée dans leur vie, dire que je m'en vais défendre mon pays. Moi... Je ne suis pas en train de parler des causes, de qui a tort, qui a raison, ça ne me regarde pas. Je suis en train de voir un peuple face à une puissance mondiale qui est en train de, 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 de se défendre. Des, des hommes qui disent, moi, je ne pars pas, je reste là. Après, il m'est arrivé de me poser la question que si le petit groupe qui est au pouvoir au Gabon, là, on n'arrive pas à leur faire comprendre que non, nous en avons marre. Bon, imaginons qu'un pays décide d'attaquer le Gabon, de nous envahir. Décide que non, nous on attaque le Gabon. Mais, mais est-ce que nous, on pourra même dire, même dire même que bon, on va un peu défendre notre pays à la mort. C'est une question, en fait, c'est une question que je me pose, en fait. Que si tout de suite là, un pays décide qu'il nous attaque, est-ce que les Gabonais vont dire, bon, là c'est le pays. Parce que je ne vois pas. Ce qui a de sacré chez nous. Qu'est-ce qui est sacralisé chez nous quand on dit que la terre là la salle là vous avez atteint un autre niveau. Je n'accepte pas. Je ne vois pas. Je sais, ça dit que je me, parce que parce que il faut il faut s'identifier à ce qu'il y a de meilleur. Je ne veux pas faire comme certains au Gabon qui prennent la honte comme, comme référence ce qui est qui est, qui est, qui est le, euh, prendre le, le, la médiocrité comme référence oh on n'arrive pas à construire les routes mais aussi le pays qui est là-bas aussi qui n'arrive pas à construire les routes non bon ça c'est ça c'est prendre s'identifier à la médiocrité dire que comme le pays là-bas n'a pas construit les routes pourquoi vous venez me faire le brume si je ne construis pas mais l'autre pays là aussi n'a pas construit non c'est ce qu'on appelle prendre comme référence la médiocrité L'ignominie, c'est ce qu'on dit que bon, moi je m'identifie à ça. Moi je ne veux pas être de ceux-là qui font ce genre de, de conneries-là. Moi je m'identifie à ce qu'il y a de bien. Ce qu'il y a de bien. Parce qu'on progresse, on progresse en s'identifiant à ce qu'il y, qu y a de meilleur. C'est pourquoi on progresse. Pourquoi on progresse Donc, c'est pourquoi je viens aujourd'hui essayer d'échanger avec vous. Euh, pas pour faire de la moralisation ou bien pour penser que tout ce que je vais dire, c'est que j'ai raison. Bien. Non. C'est-à-dire qu'il faudrait qu'on ait des thèmes, des sujets importants. Il faudrait qu'on ait des sujets importants qui nous permettent d'élever notre société, de nous élever collectivement. Parce que nous sommes devenus une société individuelle et individualiste. La société gabonaise, c'est du chacun pour soi. Ça se voit partout, partout. Chacun euh, s'occupe de sa propre chose. Chacun s'occupe de sa propre chose. C'est ce que le Gabon est devenu. C'est ce que le Gabon est devenu aujourd'hui. Le seul moment où on a l'impression que le Gabon est un pays, c'est quand il s'agit de faire de la réjouissance, comme un peu on a vécu cela à la dernière Coupe d'Afrique euh, au Cameroun, quand il faut se réjouir. Mais quand il faut défendre nos droits, les droits fondamentaux, les plus élémentaires d'un Gabonais, on ne, on ne voit pas les Gabonais, comme, comme un pouvoir qui décide de, de, de s'imposer. Qui fait des promesses et qui n'arrive à réaliser aucune promesse. L'eau, on n'a pas l'eau au Gabon. Il n'y a pas un seul quartier au Gabon qui a l'eau. Où on peut dire que tous les habitants de ce quartier-là ont l'eau. Il n'y en a pas. Et même quand certains Gabonais me disent qu'ils ont l'eau chez eux, je leur demande maintenant que, mais est-ce que l'eau là, c'est l'eau de la SG Je me dit non, mais si j'ai mis un suppresseur. Mais ce n'est pas ça. La SCG, la Société d'énergie et d'eau du Gabon, qui s'impose en situation de monopole au Gabon, avec la promesse de fournir en eau tous les ressortissants de Libreville, n'est pas capable de, de remplir son engagement. De ce fait-là, on devrait donner, la, devrait donner la, la possibilité à tous les Gabonais de chercher l'eau là où ils peuvent. Même l'électricité. J'ai demandé à certains que est-ce qu'on peut amener les panneaux solaires au Gabon mais dit non, à Libreville, c'est intérêt d'avoir les panneaux solaires, mais enfin. Comment vous pouvez me demander que je ne dois pas mettre les panneaux solaires dans ma maison quand la SCG n'est pas est capable de me donner le courant du, du 1er janvier au 31 décembre? On coupe le courant n'importe comment. C'est ça. C'est ça là. Alors, nous sommes incapables de manifester collectivement. De, 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 de nous indigner collectivement. C'est chacun qui rumine dans sa maison. Il n'y a rien que les Gabonais font collectivement. À part la réjouissance. C'est le seul moment où on voit les Gabonais collectivement ce qu'on peut dire une indignation collective. Il y a la dernière fois que j'ai vu les Gabonais s'indigner. Euh, il y a deux faits. Parce qu'il faut quand même les le relever. Deux moments où j'ai vu une indignation euh, qui a, qui me semblait être collective, il y a deux. Il y a eu en février, février 2021, quand on a fait les casseroles, le mouvement des casseroles. Il y avait eu une indignation nationale, même internationale des Gabonais. Tous les Gabonais qui vivaient dans tous les pays se sont indignés à cause des casseroles pour dire non aux mesures. Euh, de Covid, de Covid business dit qu'on n'est pas d'accord comment le Covid est géré au Gabon j'ai vu une indignation euh, euh, nationale qui a entraîné la mort, la mort qui est toujours là, non élucidée de deux Gabonais Gildas Iloko et puis Jenki deux, dans les PKS on, ils ont été froidement assassinés jusqu'aujourd'hui là le procureur de la République avait dit Oh, une enquête va être ouverte. On ne connaît pas les conclusions, les avancées de cette enquête-là. On ne sait pas qui a tiré sur ces enfants-là. On ne sait pas. Jusqu'aujourd'hui où je parle. L'affaire-là, même, les gens n'en parlent même plus. Tout comme, avant eux, j'ai vu. Euh, ah, J'oublie son nom. Mboulbeka. Moulbeka qui a été, on ne connaît toujours pas les conclusions de l'enquête de Moulbeka. Qui est derrière ça? On ne connaît pas. Broad daylight, like, comme on dit en anglais, en pleine journée. Il faisait 15 heures, 14 heures, il faisait 14 heures, 13 heures, 14 heures quand Moulbeka a été tué. On ne connaît pas toutes les grandes caméras qu'il y a au PK5, là. Il y a les caméras, hein, au PK5. Si vous levez la tête, il y a les caméras qui filment tout. Mais ces caméras-là, comme par hasard, n'ont jamais pu nous dire, nous montrer les images de comment Mboulbeka. Le zoom ne marchait plus. Le zoom ne marche plus. Comme par hasard, enfin. Et on ne doit pas s'indigner. On ne doit rien dire. On ne doit rien dire. Moi, je vous ai appelé pour parler de conviction. Je vais vous poser la question à moi-même à haute voix parce que j'ai eu un débat avec certains gabonais. Je voulais vous poser la question que... Et je vais vous dire pourquoi je me pose la question. Que la conviction, parce que... Parce que si vous... On en parle. On en parle entre nous. Oh, mais, mais tes convictions. Oh, les convictions. Oh, euh, 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 vous n'avez pas de conviction. Parce qu'il faut qu'on parle. La question que je me pose, c'est que est-ce que les convictions suffisent Est-ce qu'avec seules les convictions, on peut faire tomber une dictature Est-ce qu'on peut, on peut libérer un pays Est-ce qu'on peut libérer, on peut gagner quelque chose avec uniquement la conviction Je me pose la question. Moi, il faut qu'on creuse. Et j'invite tout le monde. Est-ce que la conviction suffit pour obtenir quelque chose. Parce que, ah, oh, mais tu n'as pas, pas les convictions. J'entends ça. J'entends des jeunes qui m'appellent, les jeunes étudiants, des jeunes des Gabonais qui sont dans la résistance, euh, dans l'opposition, oh, mais tel est parti, il n'a a, a, a pas de conviction. C'est conviction. La conviction, c'est important la conviction. C'est un élément. Mais est-ce que c'est un élément suffisant pour obtenir l'alternance parce qu'après, je vais aboutir au cas de Jean-Rémy Yama. On commence par là, co, co, décortiquer la conviction. Bon, on va un peu analyser. Qu'est-ce que c'est que la conviction Conviction, c'est quoi C'est quoi la conviction Conviction, c'est quoi La conviction, c'est une certitude. C'est une certitude qui est fondée sur des preuves évidentes. C'est une certitude fondée sur des preuves évidentes. En d'autres termes, la conviction est un état d'esprit. C'est l'état d'esprit de quelqu'un qui croit fermement à la vérité de ce qu'il pense, basé sur des faits. Basé sur des faits. C'est-à-dire que quoi Nous, on pense que le PDG n'est pas conçu pour développer ou bien pour améliorer les conditions de vie des Gabonais. C'est une conviction. Et cette conviction-là est basée sur une observation de 54 ans, que le PDG a passé à la tête du pays. C'est-à-dire qu'en 54 ans, quand on fait le bilan de 54 ans de manière consécutive à la tête du pays, le PDG a un bilan qui est en dessous de zéro. C'est une conviction. Bon, maintenant, c'est une conviction qui est fondée. Qui est légitime. Est-ce qu'elle est suffisante pour que les pédégistes partent du pouvoir Est-ce que cette conviction-là est suffisante pour que les pédégistes quittent le pouvoir C'est la question qu'il faut se poser. Certains vont dire oui, c'est suffisant. Ils vont dire oui, messieurs, à partir du moment où les pédégistes trichent, à partir du moment où ils oppressent les Gabonais, à partir du moment où ils tuent les, les Gabonais dans les élections, à partir du moment où les femmes accouchent à même le sol, à partir du moment où il n'y a pas d'hôpitaux, à partir du moment où il n'y a pas d'établissement scolaire, à partir du moment où il n'y a pas d'infrastructure, il n'y a pas de route, les routes sont cassées, à partir du moment où, voilà, tout cela c'est suffisant, ce sont des faits. Hein? Aucun pélégiste ne peut contredire cela, la preuve c'est qu'ils ne passent même pas la télé pour venir parler de leur bilan. Depuis que le coronavirus est passé, je n'ai pas encore vu les pédagogistes venir à la télé dire qu'on a réalisé ça, nous avons réalisé ceci dans tel secteur, rien. Parce qu'ils sont conscients qu'ils sont nuls. Ils sont conscients. Il n'y a rien à dire. Mais ce, cet état là, cet état de fait là crée en nous des convictions. Bon, est ce que ces convictions là seules suffisent? Moi, je vous donne mon point de vue. Je dis non. Je vais prendre, je vais faire un parallèle. Je vais faire un parallèle avec l'amour. Je ne vais pas faire la philosophie, hein, je ne suis pas un philosophe. Je vais faire un parallèle avec l'amour. Pour que les gens comprennent. L'amour, c'est-à-dire que quand tu aimes une femme, tu es amoureux, ou bien tu es amoureuse d'une fille, d'un garçon, ou bien garçon est amoureux d'une femme l'amour, ou bien l'amour entre... On parle non, on va d'abord parler de l'amour où tu es amoureux d'une fille, ou bien l'amoureuse amoureuse d'un garçon. Cet amour-là, l'amour amour désigne, dans les livres, hein, l'amour désigne un sentiment intense d'affection et d'attachement envers un être vivant. Ça veut dire que c'est un sentiment intense, qu'on ne peut pas comprendre, c'est instinctif d'affection et d'attachement envers quelqu'un. Tu aimes quelqu'un de manière inexpliquée, tu ne, tu ne te l'expliques pas. Bon. Est-ce que l'amour-là est suffisant? Ce sentiment-là, cet attachement est suffisant pour que votre mariage réussisse? Ou bien que vous alliez loin dans le mariage? Est-ce que, est qu'aujourd'hui, est qu vous, vous là, tous les hommes que vous avez quittés, vous ne les aimiez plus? Ou bien je prends l'amour qu'il y a entre un père et son enfant, ou une mère et sa son enfant. Est-ce que le simple fait d'aimer ton enfant est suffisant pour qu'il grandisse Ou bien, quand tu mets au monde un enfant, pour parler de l'amour entre un père, un enfant et son, ses géniteurs, est-ce que vous ne pensez pas qu'au-delà de l'amour, il faut organiser l'élevage Quand je dis l'élevage, on élève. Donc, le verbe élever un enfant. L'élevage d'un enfant et son, son éducation. Et quand on parle d'élever un enfant, de l'éduquer, on, on arrive maintenant à ce qu'on appelle organisation sociétale. Parce que quand tu envoies l'enfant à l'école, ce n'est pas toi qui l'éduques là-bas. Quand ton enfant, tu, toi, tu payes le prof. Tu l'envoies à l'école ou bien le gouvernement te dit, envoie l'enfant à l'école, nous on paye. Parce qu'il faut une organisation. C'est l'organisation sociétale et collective qui te.. Même dans nos villages, dans les villages en Afrique, moi j'ai grandi dans les villages, aucun parent n'élève son enfant seul. On éduque seul. L'éducation dans les villages est collective. Il faut une organisation. Et c'est cette organisation-là qui te permet de lever ton enfant. C'est comme entre... On parle de l'amour entre un homme et sa femme. L'amour seul ne suffit pas. Il faut mettre en place une organisation. C'est-à-dire que quoi? C'est-à-dire que ta femme t'aime, d'accord. Mais dans cet amour-là, toi, tu attends d'elle qu'elle te fasse à manger. Elle, elle attend à toi, de toi que tu la protèges, que tu lui montres que tu l'aimes. C'est ça-là, ce tout-là. C'est ça-là qui fait en sorte que l'amour progresse. Pas seulement dire, je t'aime chérie, moi aussi je t'aime. Et puis vous restez là, ça ne marchera pas. Ça doit être encadré d'un certain nombre de faits, d'actions, organisées, répétées. C'est ça qui fera en sorte que... Votre amour progresse. C'est exactement comme la conviction. La conviction n'est pas suffisante. Il faut ajouter à la conviction une organisation. La conviction, c'est ce qui te permet, de manière justifiée, de t'indigner. Tu t'indignes, tu dis non. Mais ça, c'est une chose. Je peux m'indigner sans vouloir combattre. Il y a de nombreux Gabonais. Qui savent que le PDG ne répond plus à rien, mais qui ne combattent pas le PDG. Ils sont nombreux au Gabon. Ils savent que oh, le PDG là, non, ce n'est pas la peine. Eux, ce n'est pas la peine. Je ne peux, eux là, on ne peut rien attendre d'eux. Mais ils ne combattent pas. C'est indigné, combattre, ce n'est pas la même chose. Tu peux être indigné, mais tu ne combats pas. C'est quand je peux voir un homme en train de tuer quelqu'un. Je ne suis pas d'accord avec ce que cet homme l'a fait, mais je ne l'empêche pas de le faire non plus. Je ne lui dis pas d'arrêter. Un homme tape sa femme devant moi. Il la bastonne avec, avec une machette. Je suis indigné que comment un homme peut taper sa femme avec une machette. Mais je ne fais rien pour qu'il arrête. Ils sont nombreux comme ça au Gabon. Ils sont nombreux et extrêmement nombreux dans ce cas-là au Gabon. Extrêmement. C'est pourquoi... Je vous interpelle dans ce sens-là pour vous faire comprendre que mes frères, vous ne, on ne peut pas rester et laisser notre pays sombrer dans les abîmes de la médiocrité. Et nous sommes là, comme on dit en anglais, ball watching. C'est-à-dire qu'on regarde le ballon se jouer, nous on regarde là, we, we, we watching. Non, on ne peut pas. On ne peut pas, on reste comme ça. On est là en train de rêvasser à, à libérer le Gabon dans nos têtes. Pas dans les faits, dans les gestes. Non, mais on libère le Gabon dans la tête avec la colère qui est exprimée à l'intérieur de nous. Le Gabon ne va pas se libérer à l'intérieur. Non. On ne peut pas. On ne peut pas libérer un pays. Les, les Ukrainiens qui sont indignés. De l'attaque qu'ils subissent de la Russie ne sont pas en train de libérer l'Ukraine la, 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 en, en s'indignant, en restant la, la maison, non. Ils vont combattre. On vient de libérer une partie de Kiev. Kiev qui est leur capitale, je, je pense. Hein. Ils, ont libéré, ils ont repoussé les Russes de Kiev. Mais ils ont fait ça comment? Pas en s'indignant, pas avec la conviction seulement. En dehors de la conviction, il y a eu une organisation. Les PDG ont créé un monstre. Le monstre qu'on appelle PDG est hors de G. Ils ne gèrent plus ça eux-mêmes. Les, les PDG eux-mêmes ne gèrent même plus le PDG. La, son, son, la cruauté qu'incarne le PDG, eux-mêmes ne gèrent même plus ça. Ils ne, ils ne gèrent plus. Ils ne savent plus comment faire. Donc, il revient au peuple. Pour qu'on passe à quelque chose de nouveau, ce que les hommes politiques appellent la Deuxième République, pour qu'on passe à la Deuxième République, il faut que les Gabonais, le peuple gabonais, se disent non, on ne peut pas tolérer ça, ce qui se passe là. C'est intolérable. Ça doit se faire dans le collectif, ensemble. Pas de manière individuelle et individualiste, en cherchant les poux sur les têtes des autres qui se battent à vos côtés. Peut-être de manière différente, on ne peut pas y arriver. On n'y arrivera pas. Moi, je vous le dis, on n'y arrivera pas. On ne va pas faire du surplace. C'est moi, Nandon, qui vous dis ça. Voilà Jean-Rémi Yama. J'atterris je, sur Jean-Rémi Yama, qui vient d'être jeté en prison de manière qu'on ne comprend même pas. Non, seulement il a été jeté en prison pour cette histoire de serpentin là qui n'est pas justifiée à part politiquement. Mais en plus de ça, il y a eu la radiation de jean rémi Yama de de, de la fonction publique. Vous vous rendez compte que on, on, on un, un, un fonctionnaire de l'enseignement supérieur est radié du gab de, de de sa profession, on le radie. Le ministère de la fonction publique n'a donné aucune lettre. Il n'y a aucune lettre de radiation de, de Jean-Rémi Yama. Il n'y a pas de lettre. Est-ce que vous trouvez ça normal? Le premier ministre, parce qu'on ne parle pas quand même de n'importe qui, Jean-Rémi Yama n'est pas. Dans le cadre de sa fonction, de par la. la de, de, dans le cadre de sa profession, de par les fonctions qu'il a, parce qu'il est président d'une confédération de syndicats. La plus grande confédération au Gabon. La plus grande. Et pour ceux qui ne connaissent pas euh, l'éducation nationale et l'enseignement supérieur, je vais un peu vous donner quelques chiffres. Je vais vous donner quelques chiffres. Hein. Vous pouvez les retrouver. Euh, vous allez, je ne sais pas moi, vous allez... Euh, là, je vous parle des chiffres de 2020. Est-ce que vous savez qu'au Gabon, au Gabon, il y a 83 000 fonctionnaires Dans tout le Gabon. Quand on parle des fonctionnaires, on parle des policiers, des corps habillés. Vous prenez euh, l'armée, vous prenez les enseignants, vous prenez tous les ministères. Tous les ministères confondus, ceux qui sont à la fonction publique, ils sont 83 000 fonctionnaires. Bon, dans les 83 000 fonctionnaires qu'il y a au Gabon, 35 000 fonctionnaires sont de l'éducation nationale. L'éducation nationale seulement a 35 000 fonctionnaires. L'éducation nationale, c'est Vous prenez du pré-primaire. Ceux qui sont du pré-primaire. Primaire, secondaire. Pré-primaire, primaire, secondaire. Ils sont 35 000 au Gabon. 35 000 fonctionnaires. C'est pas fini. hein. Aux 35 000 fonctionnaires de l'éducation nationale, vous ajoutez 11 000 fonctionnaires de l'enseignement supérieur. Vous ajoutez 11 000 fonctionnaires. On est en train d'aller à. Euh, 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 46 000, 46 000 fonctionnaires. Sur 83 000 fonctionnaires au total, il y a 46 000 fonctionnaires. Là, je suis à minimum, je, je ne suis pas en train de parler en grand, parce que euh, ça, ce sont des chiffres de 2000, parce que ça, ça a certainement augmenté. Donc, on est en train de parler de 46 000 fonctionnaires. Donc, plus de la moitié. De, de la fonction publique ils sont du corps des enseignants du pré primaire jusqu'à l'enseignement supérieur bon vous avez un, un, un régime politique qui blague avec vous avec les c'est à dire que il blague avec vous et vous n'avez vous n'êtes même pas conscient de ce que vous représentez comme force on blague avec vous, on arrive à vous, à vous, à vous diviser, à vous, euh, et, et vous. Et vous êtes des intellectuels. Vous avez fait l'école. Vous avez le discernement. Vous savez ce qui est bien et ce qui n'est pas bien. On n'a pas besoin de. de... Non, on n'a pas besoin. Vous savez, très bien. Je n'arrive pas à comprendre comment des intellectuels comme vous, on peut vous acheter facilement comme ça. Au Gabon. Moi, j'ai vu chez les Blancs. Le, vous savez, l'homme blanc n'est pas supérieur à l'homme noir. C'est pas parce que je vis en France que je suis supérieur aux Gabonais qui vivent au Gabon. Ce n'est pas parce que moi je, je, je vois un blanc arriver, il gorge, que, que ce qu'il dit est vrai. Ce n'est pas parce que quelqu'un gorge que tout ce qu'il dit est vrai. Tout ce que les Mintangas font, ils ont appris ça chez nous. Comment se fait-il que les Mintangas sont venus en Afrique? Ils ont tout appris là. Mais c'est eux mais là qui sont devenus des références. Nous, on n'arrive pas à s'en sortir. Alors que la plupart des diplômés qui sont au Gabon, là, vous avez appris ici, si, vous avez appris ici si, chez les militants. Vous avez appris ici. Si, avez fait l'école ici. Comment se fait-il que moi, j'ai vu les gilets jaunes. J'étais là, à Paris, quand il y avait les gilets jaunes. Est-ce que vous savez que de nombreux gilets jaunes étaient, ils travaillaient, c'était des gardes, parce qu'ils ne pensaient pas que les gilets jaunes c'était les chômeurs seulement. Les gardes qui travaillaient allaient pointer parce que c'était le samedi. C'est-à-dire que quelqu'un travaille, il termine son boulot, le samedi, vendredi soir, samedi matin, il est au gilet jaune. Parce qu'il sait pourquoi il avait. Il a le, pourquoi les travailleurs allaient rejoindre les gilets jaunes Parce que le travailleur savait que à tout moment, moi aussi, je peux me retrouver demain au chômage. Aujourd'hui, c'est mon frère qui est au chômage, demain ça pourrait être moi. Donc je m'en vais soutenir mon frère qui est au chômage. C'est comme ça qu'un peuple qui est normal réfléchit. Un peuple qui a le, le sens. Un peuple qui est normal. Si tu ne vas pas soulever le corps de l'autre quand lui il est mort, mais l'autre, sa famille ne viendra pas soulever ton corps, ne viendra pas t'aider. Si tu ne vas pas éteindre le feu de l'autre, quand il y a l'incendie chez lui, eux, ils ne viendront pas t'aider à éteindre ton incendie quand ça arrivera parce que, tout tard, ça arrivera. Voilà Farjon, Farjon, bla. C'est pas lui qui avait mis les gens, qui faisait, qui mettait les gens en prison. Certains gabonais étaient mis en prison, ils, ils grondaient, qui ne, celui qui boude, il boude, celui qui bouge, il boude. Attends, comment il disait ça? Celui qui boude, il bouge. C'est ce que Farjon disait là. Ce n'est pas le même Farjon qui est en prison là. Le même système qu'il a mis en haut, c'est le même système qu'il a mangé. Vous avez vu quelqu'un dans le PDG défendre Farjon Ça veut dire qu'eux-mêmes, leurs propres choses qu'ils ont créées, les mangent. Les mangent eux-mêmes. Liban Suleiman, voilà Liban Suleiman qui a fui le Gabon, il ne vient plus. Vous avez entendu encore que Liban Suleiman est venu au Gabon Et pourtant, c'est le Gabon qui l'a mis là. Le pays dans lequel il a grandi. Où il est né. Je sais pas s'il si est né au Gabon, mais le pays où il a grandi, où il a passé toute son enfance, il ne peut plus venir. Parce qu'il a, il a, il a participé pour mettre les gens là, faire comme ils sont là. Ils sont nombreux. de nombreux PDG sont menés ici, à l'étranger, ils ont fui. Ils ne peuvent plus aller au Gabon. Parce que le système qu'ils ont servi les a bouffés, les a graillés. Ça veut dire que le PDG est devenu monstrueux. Alors, vous les Gabonais, vous avez des Gabonais aussi qui ne sont pas mauvais. Hein? Il y a des Gabonais qui essayent de, de se mettre, euh, de représenter la victime de, de ce qui pourrait être bien. Mais si les Gabonais, si les, 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 les leaders qui se, qui se, qui, qui, euh, qui se manifestent, euh, pas seulement dans l'opposition, hein, dans la société civile, dans la résistance, les leaders qui sont des porte-flambeaux de ce que l'on pourrait faire de meilleur dans notre pays. Si ces leaders-là ne sont pas protégés dans les actions que nous menons de manière collective, mais ça sert à rien. Ça sert à rien. Parce que le pouvoir, pour qu'il réagisse, il a besoin de sentir. En face qu'il y a un certain répondant, il y a des actions qui sont menées. Mais si chaque fois qu'on mène des actions pour essayer de rétablir ce qui est normal, les gens qui subissent fuient. Même quand ils n'ont pas besoin de fuir, ils fuient. Ça sert à quoi? Ça sert à quoi ça sert? Parce que ce qui va finir par arriver, et là je m'adresse au peuple gabonais, aux fonctionnaires, et à tous ceux qui sont des victimes de ce, ce régime, ce qui va finir par arriver, c'est que vous n'aurez plus de leader. Un pays qui n'a pas une force opposée, quand il n'y a pas une force opposée à quelque chose de mal, mais ça veut dire qu'on tombe dans l'anarchie totale. On va tomber dans l'anarchie. Et les plus vulnérables vont périr dans l'anarchie. Ça, c'est clair. C'est aussi simple que ça. Les gens vont périr. Parce que protéger quelqu'un, c'est quoi Je vais vous expliquer. Jean-Rémy Yama a été mis en prison. Nous savons que c'est n'importe quoi, c'est politique. Jean-Rémy Yama a été radié de la fonction publique. Euh, euh, de son On sait que c'est politique. On vous a ils ont, le, 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 le les enseignants ont décidé que le lundi 11 avril, c'est-à-dire lundi prochain, parce que là nous, au Gabon, ce sont les vacances de Pâques, il n'y a pas l'école. La reprise est censée être lundi. Ils ont décidé, pas moi, eux, ils ont décidé, et je les soutiens dans cette action, ils ont décidé que lundi 11 avril 2023, il y aura ce qu'on appelle une journée école morte dans l'étendue du territoire gabonais. Qui est concerné Le jardin, c'est le, le pré-primaire, le primaire, le secondaire et les, le supérieur. C'est-à-dire que l'enseignement, le, les enseignants du ministère de l'Éducation nationale et les, enseignements, les enseignants du ministère. Les enseignants du ministère de l'Éducation supérieure, personne ne va à l'école. Une journée, on ne vous demande pas deux. On ne, vous a pas dit de, on ne vous a pas demandé deux journées, une. Nous allons un peu manifester que nous ne sommes pas d'accord pour l'arrestation et la radiation arbitraire et politique de Jean-Rémi Yama. On demande aux Gabonais de rester chez vous. Il n'y a pas école Le lundi 11 avril, 2023. Nous avons le droit de manifester. On a le droit de dire non. Ce n'est pas un crime. Qu'est-ce qui est la norme et qu'est-ce qui est l'exception au Gabon Est-ce que vous comprenez le rapport qu'il y a entre la norme et l'exception Le droit de grève. Le droit de revendiquer, le droit de dire non, le droit d'aller et venir, c'est garanti par la Constitution. Nous avons le droit de dire non, on n'est pas d'accord avec ça. Vous savez très bien, Jean-Rémi a est président d'une confédération, de, de, une confédération syndicale. C'est eux qui éduquent nos enfants. Mon Dieu Seigneur, si vous n'êtes pas capable de défendre quelqu'un qui se bat pour vous, ce monsieur-là, dans l'exercice des fonctions syndicales qu'il occupe depuis pas mal d'années maintenant, il a pu faire avancer un certain nombre de choses, d'après les retours que j'ai. Dans le cadre de l'éducation nationale, il y avait une prime qu'on appelle la PIF, qu'on donnait une seule fois par an. La prime d'incitation à la fonction d'enseignant, à la fonction enseignante, qui était donnée une seule fois. Je pense que la PIF c'était aux catégories A 150 000, catégorie B 100 000. On donnait ça de manière aléatoire, c'était pas très respecté. Les syndicats se sont, ont, ont, se sont organisés, ont fait des tractations, ont fait beaucoup de, mené des actions pour que cette prime-là soit intégrée dans le salaire des fonctionnaires de l'enseignement, euh, de, de, de l'éducation nationale. Aujourd'hui, quand vous allez prendre vos salaires, tous les profs, tous les profs là, à l'intérieur, vous avez la pif. C'est dedans, c'est dedans dans vos salaires. Regardez, dans vos bulletins de salaire. Qui s'est battu pour ça Ce sont les syndicalistes. Alors qu'avant, on vous donnait ça une seule fois par an. Et encore, c'était aléatoire, certains la touchaient, d'autres avec beaucoup de, de complications. On vous donnait ça à main comme ça, alors que là, ça rentre dans vos salaires tout le temps. Chaque mois, c'est devenu. ça fait partie de, 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 de votre salaire. Et même l'enseignement supérieur a bénéficié d'un avantage presque identique. Il y avait une prime à l'enseignant à l'enseignement supérieur qu'on appelait la pire, ou bien le pire. La prime d'incitation à la recherche. La pire. Pareil, même procédé. Et là, Jean-Rémy Yama, avec son syndicat, et les autres étaient en train de se battre pour améliorer les conditions, de, 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 les, les conditions des retraites. Des retraités. Faire la même chose ou moins chez les retraités. Bon. Quand vous avez des gens qui se battent pour vous, vous, vous restez chez vous. Personne, on le met en prison, vous vous occupez pas de ça, on ne vous demande pas de l'aimer, on ne vient pas. Moi, comme beaucoup, hein, on ne fait pas ça. On ne se bat pas pour notre pays pour qu'on nous aime. Ce n'est pas important. Mais si en votre âme et conscience, vous êtes d'accord que le combat que nous menons est noble et il vous concerne également parce que. Quand on fait avancer les choses, on ne dit pas qu'on oh, va seulement faire avancer les choses pour les personnes qui aiment Jean-Rémi Yama ou bien pour les personnes qui sont dans la confédération de Jean-Rémi Yama. Non, quand on fait avancer les choses dans la société, on met tout le monde dedans. Moi, je n'arrive pas à comprendre que Jean-Rémi Yama est dans cette situation-là. Vous avez des syndicats euh, qui ne se prononcent pas, qui font le désordre. Parce que à l'éducation nationale, il y a à peu près une vingtaine de syndicats. À l'éducation nationale seule, il y a une vingtaine de syndicats. Je pense 23 ou 24 syndicats. Vous avez tous ces syndicats-là. Ces syndicats-là, c'est quand on regarde en gros tous les syndicats de l'éducation nationale c'est 35 000 personnes. Si on prend tous les syndicats, vous couvrez 35 000 individus. On n'est même pas capable de, de faire une manifestation avec 500 individus, ou bien 1000. Mais quand même, quand même. Parce que quand nous on va voir les blancs, les militants, plus puisque vous aimez oh, la diaspora, il fallait faire du lobbying. Mais quand on va voir les militants, les militants disent que mais chez vous, il n'y a rien. Les voyous qui sont au pouvoir disent aux militants qui essaient de leur poser la question, ils leur disent, mais c'est vous qui avez les gilets jaunes ici. Je ne vous ai vu quelqu'un dehors. Voilà les Ukrainiens, tirent sur eux, ils sont là. Je ne suis pas en train de vous demander aussi d'aller tirer sur les gens. Pour ceux qui sont faibles d'esprit, ils vont penser que Messie est en train de faire l'incitation à la guerre. Ce n'est pas ce que je fais. Je suis en train de dire que le patriotisme doit nous amener. À nous indigner lorsque quelque chose d'inacceptable se produit dans notre pays. Indignation, on peut faire une indignation, on peut manifester une indignation pacifiquement. pacifiquement hein? Nous pouvons, euh, euh, à travers des marches, ou bien dire qu'on ne parle pas au travail, dire qu'on ne parle pas. Je prends le cas, je m'appuie sur l'Ukraine pour pour parler d'un cas grave qui amène la mort. Si les Ukrainiens savent que ont compris que là, rentrer dans ça, c'est accepter de mourir. Mais ils sont là. Ça veut dire que nous, si on te demande de ne pas aller au travail et que tu restes chez toi, tu vas mourir. Tu vas mourir si on te dit ne parle pas au travail, reste chez toi à la maison. Tu vas mourir. Est-ce que tu vas mourir Non. Pourquoi les Gabonais n'arrivent pas à comprendre ça C'est pourquoi j'ai dit que les convictions seules ne suffisent pas. La ségrégation aux États-Unis n'est pas morte seulement par les convictions. Il a fallu une organisation collective. Il a fallu mener des actions collectives. Dans ces actions collectives-là, collectives beaucoup ont laissé la vie, mais ils sont partis et aujourd'hui c'est passé. Vous allez, euh, euh, vous allez à la, la tête négrière, l'esclavage. Parce que je vous vois arriver en France là, les pédégistes, avec de, certains là. Vous venez en, en France, venez faire les courses. Mais est-ce que vous savez qu'il fut une époque où vous ne pouviez pas rentrer dans le magasin Louis Vuitton Vous ne pouviez pas aller faire les courses aux champs Élysées, tu es noir Comme je vous vois venir vous pavaner ici, là Il fut une époque où vous ne pouviez pas venir ici, et puis vous vous pavanez avec les militants dans les mêmes magasins, mito euh, le Fouquet. si c'est le Fouquet, vous êtes assis au Fouquet en train de rigoler, les militants sont là, mais on qui le avec les c'était interdit, il y a pas longtemps, hein, en 1960 1965, c'était pas évident, on ne tolérait pas ça. Les militants on ne tolérait pas ça. Que tu arrives au Fouquet, tu rentres, on va, on va, on va commander des dit machin, machin. Non, non, non on ne tolérait pas ça, même si tu as l'argent. Aujourd'hui, vous êtes en train de faire ça quand vous venez ici. Pourquoi vous faites ça Parce qu'il y a des Noirs qui ont manifesté ici. Il y a des Blancs qui ont manifesté ici, qui se sont battus aux côtés des Noirs pour dire que ça, ça doit s'arrêter. Beaucoup ont été tués, beaucoup ont été emprisonnés, beaucoup ont été oppressés, mutilés. Mais ils ont dit non, ça, ça s'arrête. Et c'est parce qu'ils ont dit non que ça s'est arrêté. Ils n'ont pas dit non de manière individuelle, ils ont dit non de manière organisée, de manière collective. Mais quand on essaie de vous dire que, mais mon Dieu, mais ne restez pas comme ça à regarder, même les PDG subissent le PDG. Il y a beaucoup de pédégistes qui sont en train de regarder ce live-là chez eux, ils même pas l'eau. Il y a beaucoup de pédégistes qui sont en train de regarder ce live-là, il n'y a même pas quelques jours, ils étaient dans un deuil, où un de leurs parents est mort dans un hôpital, non pas parce qu'il devait mourir, non, mais parce qu'il y avait des médicaments primaires, élémentaires qui ne, qui ne, qui ne manquent, qui manquent. Les médicaments élémentaires qui, qui ont manqué. Il y a des femmes qui accouchent. On me dit qu'il y a des femmes qui meurent tous les jours à El Rafa dans les hôpitaux. Quelqu'un va accoucher. Ici, là, on ne, on ne meurt pas en allant accoucher ici. Tu as des pédégistes qui amènent leurs femmes accoucher en France. Et pourtant, il n'y a pas de droit du sol. Hein. C'est-à-dire qu'il prend sa femme, lui demander de venir accoucher ici, non pas parce que les histoires de nationalité, parce que ça n'existe plus, non mais parce qu'il n'a pas confiance aux hôpitaux, aux cliniques du Gabon. Il dit non, 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 là-bas c'est trop fort. Donc si dans un pays, même l'accouchement, on ne peut plus faire. On ne peut plus, on ne peut plus faire. Et nous sommes toujours en train de faire honte. À notre, notre continent. Voilà l'Ukraine. En Ukraine, il y a les Chinois. Vous avez vu les Chinois passer à la télé pour dire que oh, nous, nos ressortissants, on n'arrive pas à rentrer au pays, venez nous prendre. Non. Les Chinois sont allés prendre leurs gens qui étaient coincés en Ukraine en silence. Ils n'ont pas parlé où. Ça s'est fait dans le silence. Les Indiens, l'Inde, ils sont allés prendre leurs gens qui sont coincés. En, en Ukraine, en silence, c'est tu les Africains qui sont coincés qui ont des problèmes parce que nos états, nos pays sont gérés par des voyous, des voyous qui n'aiment qui n'aiment pas. Et des voyous hautement diplômés. Hein. Oh, les, la France est en train de, re, de, de rapatrier leurs gens. Nous, nous sommes coincés en Ukraine. Euh, venez nous prendre, machin, machin. On a vu, ce sont des Africains qui, ont, qui se sont organisés pour envoyer des bus. Pour aller prendre leur frère. Les États sont incompétents, incapables, nos dirigeants africains là, surtout les Gabonais, incapables d'organiser l'extraction des ressortissants que vous-même vous avez envoyé faire l'école dans ces pays là. Pourquoi vous les avez envoyé faire l'école? Parce qu'il n'y a pas d'infrastructure. Voilà Blaise Compaoré, ce voyou là, qui est en train de mourir au, au Maroc. Il est resté après avoir buté Thomas Sankara. Il est resté président. Du Burkina Faso pendant des années, il a été incapable de construire des écoles. Incapable de construire des hôpitaux. Le voilà qui se retrouve maintenant en train de demander un visa. On lui refuse le visa pour venir se soigner en France. Blesse compaorée. Aka, Via vous Maroc. Et c'est comme ça nos hommes politiques. On vous demande de construire les hôpitaux parce que rien ne vous garantit que vous allez rester éternellement. C'est comme la prison.

quand il a géré le Gabon en 2019, s'il avait géré, s'il avait conçu même une, 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 une nouvelle prison, dire que bon, moi, je construis une nouvelle prison, il serait là-bas bien, avec un beau lit. Il y a un drame, même en télévision. Mais non, il a fermé les yeux. Après, on va vous mettre là-bas. Parce que vous ne voulez pas. On fait son lit comme on se couche. Vous êtes là, vous n'améliorez rien. Là, vous êtes au pouvoir. Demain, vous serez retraité. Vous ne serez plus au pouvoir. Quand vous serez retraité, on va vous dire qu'on ne vous paye pas. On va vous dire qu'on ne vous paye pas. On ne vous paye pas votre retraite. Vous allez dire quoi Vous allez dire quoi Tiens, Yorondou, un peu pédégiste. Yorondou, il était pédégiste. Il était premier ministre. Le système de retraite, il y avait des gens qui subissaient. Maintenant, il s'est retrouvé dans l'opposition avec la force des choses. Comme tout comme beaucoup qui sont au pouvoir là, demain dans peu de temps, vous allez être des opposants. Je sais que beaucoup parmi vous là, les élections, là, vous serez dans l'opposition. Bon, s'il avait arrangé, là vous n'avez rien Quand vous allez venir à l'opposition, sachez qu'on va vous faire la même chose que vous êtes en train de faire aux autres. Hein. Bon, on vous demande d'arranger le pays. Vous ne voulez pas arranger le pays. Voilà, Jean-Rémi Yamaki se bat pour tout le monde. Vous ne voulez pas le protéger. Vous ne voulez pas manifester. On vous a dit que le 11 avril 2023, il y a une journée école morte dans tout le Gabon. Personne ne part à l'école. Restez chez vous. Les étudiants, les élèves du collège, machin, restez chez vous. Vous qui habitez à proximité des établissements scolaires, secondaires et universitaires, toute personne que vous allez voir aller dans l'école, surtout les profs, filmez-les. On veut savoir qui est désordonné dans cette. On ne va pas vous faire quelque chose. Mais on, va, on va vous exposer un peu sur les réseaux sociaux que tel professeur, tel enseignant est parti à l'école. Voilà lui-là. On va un peu vous connaître. Parce qu'on en a un peu marre. On va un peu savoir qui vous êtes. Parce que moi, je suis indigné. Jean-Rémi Yama, il ne fait rien. Moi, je vis en Europe. Fait rien pour moi mais il améliore les conditions de vie de nos parents nos parents parce qu'on ne connaît pas demain on ne sait pas de quoi sera fait demain moi je voyais ikea à l'époque quand Ikea venait parler, le chef de l'État a une fatigue sévère, machin. Je disais, l'enfant là va aller se, il va se retrouver en prison. Les gens disaient, ah, messieurs, machin. Je disais, l'enfant là va se retrouver en prison. Ils savent pas ce qu'ils sont en train de faire. Ikea, c'est pas lui, ça fait quatre ans. Il devient maintenant pasteur en prison là-bas. Avec Bible mais le monsieur. Quand on vous dit, vous les pédégistes, que arrangez le pays, vous ne voulez pas arranger le pays. Arrangez le pays, vous ne savez pas demain où vous allez vous retrouver, vous ne voulez pas arranger le pays. Et demain vous allez dire quoi Demain vous allez dire quoi Vous allez appeler qui qui est mauvais Parce que vous vous faites la guerre. On m'a dit qu'il y a un gars là, un individu là qu'on appelle Yaba ou Yaba qui faisait la les ambulances citoyennes, je ne sais pas comment on appelle ça. Euh, comment on appelle le machin là Le gars qui, il y a un gars là. Le le, le, le le frangin congolais là qui faisait les qui faisait il avait des car des, des ambulances il allait soigner les gens dans les quartiers n'importe comment là. bon il était proche du pouvoir j'ai oublié son nom j'ai oublié le nom de Yaba ou bien j'ai oublié son nom le le gars bon on m'a dit qu'il a fui le Gabon non j'ai lu là qu'il a fui il n'est plus au Gabon détournement de fond on dit 3 milliards le Samu social voilà celui qui fait le Samu social il est où c'est pas la a fui. C'est pas que je le vois avec les ministres, matin, midi et soir, à te pour la vie Oh, voilà, hein. il est bien bien, 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 bon, hein, machin, machin. C'est pas Yaba. Il est maintenant en fuite. Il est en fuite, là. Quand j'avais appelé le frangin là pour dire au frangin là que, un, ce que tu es en train de faire, c'est pas bien. Tu as, tu as des gens, paye les salaires des gens, paye ceci. Les gens m'avaient, c'était il y a, il y a quatre ans. J'avais appelé, J'avais y y une histoire là où j'avais appelé Yama. Tout comme j'avais appelé, euh, euh, alors, à Coué, Renault, avec la CNAM GG, avait dit à Renault que m'a enfin. Il faut aider les gens qui ont des problèmes. Mais vous pensez que la fonction est une profession. Il y a une différence entre la fonction et la profession. C'est comme les, les chefs d'établissement là. Les chefs d'établissement ne comprennent pas que quand tu es chef d'établissement, il n'y a pas une retraite de chef d'établissement. Si tu, tu es directeur d'une école, la, tu auras la même. Si tu es un gars de catégorie A, B et que tu es directeur, le jour de ta retraite, tu, es, tu auras la même retraite que quelqu'un qui n'a jamais été directeur mais qui a la même catégorie que toi. La retraite, ce sont les catégories. Il n'y a pas la retraite d'anciens proviseurs. Ça n'existe pas. Ce ne sont que des fonctions. Si tu es en catégorie A et tu es proviseur du lycée Mba et tu as ton collègue qui n'a jamais été proviseur, qui est en catégorie A aussi, la retraite, vous allez avoir la même retraite. Vous allez avoir la même retraite. Donc, à un moment donné, hein, il faut se mettre au service de ce qui doit être fait. Il faut se mettre au service de ce qui doit être fait. Vous ne savez pas comment demain ça va être pour vous. Mettez-vous au service du peuple. Ça à dire qu'il y a des moments où j'ai envie d'abandonner, Mais dire que bon moi je m'occupe de ma vie, je vous laisse dans vos choses parce que me voilà. On vous explique voilà les élections qui vont arriver. Voilà les Gabonais qu'on a transformés. Les PDGistes ont transformé en... Même en Ukraine, je n'ai pas encore vu en Ukraine. Voilà l'Ukraine là. Je n'ai pas encore vu en Ukraine, où il y a la guerre en ce moment, les gens sont en train de ramasser les canettes par terre. Voilà, voilà le PDG qui est en train de faire les fêtes au Gabon. Les On ramasse les be jus meta. On vous jette comme si on vous On, on donnait au cochon. Alors, ils viennent ramasser et La jeunesse gabonaise, c'est elle qui est transformée comme ça. Là. On voit maintenant à Franceville des gens, ont, les, le vol d'argent, le vol, le détournement. Vous prenez l'argent, vous donnez aux populations pour venir à vos meetings. Vous vous donnez l'argent pour venir au... Venez allez, et, et venez prendre combien 1000 francs 5000 après vous les gabonais vous allez aller voter des individus que vous allez envoyer à l'assemblée nationale qui ne vont jamais aller défendre vos intérêts jamais aller parler de vos problèmes ils vont seulement aller manger l'argent là-bas à l'assemblée bientôt ça va revenir là là les élections législatives arrivent vous n'allez pas voter les gens que vous savez que eux là ils vont ils vont aller à l'assemblée parler de mes problèmes vous allez voter les gens qui vont vous donner 1000 francs 5000 ou bien parce que c'est votre oncle qui ne vous donne même rien. Votre oncle était là, euh, député, il ne vous a même jamais donné 1000 francs. Mais vous allez voter parce qu'il parle la même ethnie que vous. La même langue. Vous n'allez pas voter celui-là que vous savez qu'il n'est pas de mon ethnie, ou bien c'est pas mon parent, mais il parle des problèmes des Gabonais tous les jours. Vous allez dire non, on ne te vote pas. Voilà l'homme Gabonais aujourd'hui. Ça, pas l'homme Gabonais. Et après, on se plaint. De nombreux abonnés m'appellent, oh mais si j'ai tel problème, j'ai tel problème. Et puis tu les vois dans les photos où ils sont dans les manifestations bizarres. Et après, ils t'appellent pour te dire que j'ai tel problème. Quand tu vas leur dire, écoutez, faites ça, faites ça, faites ça, faites ça, et vous ne quand pas bouder. Oh non, mais tu sais, moi, machin, machin, je ne veux pas. Quel est ce peuple? Voilà là, je suis en train de faire un live que je considère peut-être à tort comme étant un live important. Très si peu vont partager, vont partager sur les WhatsApp. Ils vont seulement venir m'écouter en cachette, vont venir lorgner le live, ils vont partir. Vous voyez? Comment voulez-vous vous en sortir? Les pédégistes savent qu'ils n'ont plus de militants. Ils savent ça, c'est pourquoi ils sont obligés de payer les gens. Payer, soudoyer les jeunes pour venir à base de 1000 francs, 2000. Après, ils vont aller mentir à, aux deux fins corps. Oh, voilà, j'ai fait une manifestation au Togo. Il y a eu de nombreux. Euh, nous sommes encore un parti fort. Alors qu'il n'y a plus personne, les gens ne croient plus en ça. Vous allez appeler les gens. Vous allez mentir, comme vous arrivez qu'à vous mentir entre vous-même. Vous mentez entre vous que, oh, On est en collègue. Vous savez que vous n'avez plus de militants. Vous savez que 2023, vous n'allez pas gagner les élections. Vous savez ça. Vous savez ça. Et Dieu seul sait. Vous ne savez même pas comment d'abord les élections là vont se passer. Parce que vous ne savez pas. Vous ne savez pas. C'est pourquoi je dis aux Gabonais que préparons-nous. Soyons prêts. Allez-y, vous inscrivez dans les listes électorales. Quand les les, les, les listes là, même si vous ne voulez pas entendre ça, moi je vais vous dire la vérité. Je suis pas là pour vous mentir, ou vous faire plaisir. Je suis pas dedans. Je ne suis plus un gamin. Je ne suis plus un enfant. Les, les listes vont arriver là. Allez, y si vous inscrivez massivement, vous ne voulez pas. On ne sait pas ce que vous voulez. On va, on vous a demandé de rester là. Même les gens qui sont contre les élections, on va leur demander de rester, ne n'allez pas. Vous les les, les les profs qui m'appelaient souvent, là, les profs de éta des établissements scolaires, vous qui m'appelez souvent, quand on va vous demander que le lundi 11 avril 2023, restez à la maison, vous allez dire non. Alors que vous dites non, oh, messieurs, toi tu parles des élections, moi je ne suis pas pour les élections, on doit aller faire la guerre, machin, machin, machin. Vous êtes forts, mais là on va vous demander, on ne vous demande pas d'aller en guerre. On vous demande que restez à la maison le lundi 11 avril 2023. C'est tout ce qu'on vous demande. Les parents d'élèves, n'envoyez pas vos enfants à l'école lundi 11 avril 2023. Gardez vos enfants dans les maisons. N'envoyez pas les enfants à l'école. Parce que nous devons quand même montrer que nous devons manifester une indignation nationale face à ce que Jean-Rémi Yama subit. Que vous l'aimiez, oh, que vous ne l'aimiez pas, oh. au moins c'est un Gabonais qui est en train de subir quelque chose d'inacceptable. C'est inacceptable ce que ce monsieur subit. On vous dit que ça, c'est. Euh, plutôt 2022. J'ai dit le 11. Euh, lundi 11 avril 2022. Lundi 11 avril 2022. Donc lundi qui arrive là. Ce n'est pas lundi dans longtemps. Lundi qui arrive. Là, là, là. La semaine, la semaine qui va commencer. Alors. Partager, vous avez peur de partager. oh Si je partage, on va voir ça dans mon mur. Si je partage, les gens vont savoir. machin bon, Vous ne partagez pas dans vos murs. Vous ne partagez pas en inbox. Ce qu'on aime au Gabon, c'est la distraction. On aime le... Le le, euh, ah, euh, le... le mouvement, les grands mouvements. La jouissance. La réjouissance. La luxure. Le placement, c'est ce qu'on aime au Gabon. Congo, ça. Vous êtes des grands papas. Quarantaine, cinquantaine, soixantaine. Ce n'est pas seulement les pédégistes qui sont venus dire euh, euh, papa et maman, chocolat et bonbon. Ce n'est pas seulement eux. Même nous-mêmes, nous, là, dans l'opposition, dans dans on fait les choses bien, ah bon, maman, est bon. On fait les choses comme les enfants. Tu demandes à quelqu'un que, viens, on on ça soit un peu. On va avoir un peu un débat constructif. Vous fuyez. Vous fuyez. On dit, venez, on va avoir un peu un débat constructif. Non, 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 mais c'est moi, machin, machin. On aime le Congo, ça. Vous aimez le Congo, ça. C'est ce qui est, c'est ce qui passe au Gabon. On a un frère, quelqu'un qui subit quelque chose. Vous ne voulez pas. Vous ne voulez pas vous mobiliser pour lui. Mon Dieu. Mais on va faire comment le monde entier se moque de nous. Si les, les pays européens ne veulent pas faire venir, ne veulent pas s'occuper des Noirs qui sont coincés en Ukraine, mais ce sont leurs les Blancs ont le droits. Le Blanc est là pour s'occuper d'abord de son frère, qui est Blanc. Vous pensez que les Blancs vont d'abord s'occuper des Noirs et puis ils laissent leurs frère derrière Le train, c'est pour eux. Vous n'avez qu'à construire les écoles dans vos pays. Vous n'avez qu'à améliorer les conditions de vie de vos ressortissants pour qu'ils n'aillent plus à l'étranger. Vous pensez que si. Le Gabon, vous ne voyez pas que dès qu'un pays africain a un problème, l'ambassade, l'ambassade européenne s'organise pour ses ressortissants. Ils disent, bon, vous là, venez ici. Quand en 2016, vous n'avez pas vu comment l'ambassade en France s'est organisée pour les ressortissants français qui vivent au Gabon. Tout le monde, c'est-à-dire que dès qu'eux, ils sentent, ils n'attendent même pas que le problème arrive, dès qu'ils sentent que là-bas, ils vont avoir des problèmes, ils ont déjà tout fait. Les autres sont organisés, mais nous, nous sommes des désordonnés, les Africains. On est des désordonnés, toujours le dernier, parce qu'on on, on passe beaucoup de temps dans la jouissance. Quand il faut organiser des concerts, des fêtes, là, on fait ça bien et ça doit avoir lieu. Mais quand il faut organiser l'extraction le, ou le retrait de nos ressortissants qui sont coincés quelque part, on ne sait pas par où commencer, on ne connaît pas. On ne connaît pas par où commencer. Et maintenant, on se plaint. Oh, regardez les gars, blancs. les blancs sont en train d'empêcher de, nos frères de monter dans les trains. Mais ce n'est pas nos trains. C'est leur train. Les militants ne nous ont jamais empêchés de construire les écoles dans nos pays africains. Ils ne nous ont pas demandé d'envoyer nos enfants aller apprendre là-bas en Ukraine. Ils ne nous ont pas dit ça. Organisons-nous. Organisons-nous. Ils nous, et, et, et nous, les Africains, nous ne pouvons pas nous organiser si nous gardons à la tête de nos pays la, les, les incompétents qui sont là. Ils ne vont pas nous organiser. Il faut tout faire pour qu'à la tête de nos États, il y ait des personnes qui veulent véritablement le développement de nos pays pour qu'on n'ait plus à venir ici. Moi, je ne comprends pas comment les Gabonais vont aller. Les Gabonais vont maintenant se laver la plage à Dubaï, je suis impressionné quand je vois des gabonais quitter Libreville pour aller avec les yachts à Dubaï, un pays désertique où il n'y a pas longtemps c'était le désert. Il ne je ne sais même pas s'ils réalisent que l'eau qui a à Dubaï là s'est créé. Nous on a Mayumba à Mayumba, là c'est Dieu qui nous a donné Mayumba, un endroit naturel. On est incapable de développer ça. On a de l'eau dans le gouet. On a le Goué, on a le Livindo, le, 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 le on a le Como, on a l'Ampasa, on a tous les, tous les fleuves et les lacs, tout ce que nous avons au pays. Nous sommes incapables d'organiser les, 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 les excursions en yacht au Gabon. Non, il faut que les Gabonais prennent encore l'avion. On n'a pas qu'un petit bubaye, un bien temps, un bien temps, un you, you. Nous avons tout au pays pour développer. On est incapable de développer notre pays. Nous sommes incapables de développer un beau pays que Dieu nous a donné. Nous sommes incapables. Mais ben gabonais pour aller faire les clips, eh, vous, tu vois les gabonaises qui étaient là, aller tourner les clips en Afrique du Sud. Mais le paysage que vous avez en Afrique du Sud, on a ça au Gabon. On a ça au Gabon. Mais comme la route est mauvaise. Tu ne peux pas quitter entre Libreville. Pour partir de Libreville seulement pour arriver à Kango, c'est un problème. Tu as, quand tu arrives à Kango, tu, tu as les palpitations. Parce que tout ce que tu as vu en route, les accidents, les creux, les trous, les machins. On a eu Tchichungol. Il y a des gens qui vont à Lambaréné. Dès qu'il arrive à Lambaréné, il quitte Libreville. Le matin, il arrive à Lambaréné, AVC. Vous n'avez pas remarqué que les gens vont dans les deuils. Ils quittent à Libreville, ils vont enterrer quelqu'un. Arrivé là-bas, il meurt. Parce que la route l'a stressé. La route l'a tellement stressé, il a vu des gens venir en flèche. Il a vu des tubes, il a vu des machins. Bon, il arrive à, dès qu'il arrive à enterrer quelqu'un, arrive au village, il y a un l'homme, il meurt là sur place. Vous, vous demandez, mais lui, il est mort là comment Mais c'est la route. La route. Tout ce qu'il a traversé. Moi, j'ai fait la route à Libreville, mais la route est stressante. Moi, je prends la voiture ici. Je prends la voiture à Paris, j'ai déjà pris la voiture de Paris jusqu'à Pau, jusqu'à Toulouse. Mais tu conduis bien ça glisse. Et pourtant il n'y a pas grand chose à voir hein? mais ça glisse. Mets ça que vous Ozi non tu... je suis fatigué

dans les arrêts, les, 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 les arrêts là. Bon, vous, vous êtes là, vous n'êtes pas capable de construire la route. La route, voilà, voilà, euh, celle qui a les jolis sous cheveux là, elle s'appelle comment il là le premier ministre. Il là. Ah, comment elle s'appelle Raponda, Ousuka Ousuka dit, elle va construire la, 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 la route. La route là, on attend. On attend la route. La route n'est pas encore les travaux sont à l'arrêt il n'y a rien qui se passe Dès que tu tuive en 2023 animo bana zuna ma commune sub commune mal logement social bien là il y a les 5000 logements il y a bitel ni ni après 14 ans bo ga wala ba 5000 logements mon voya je vais vous amener les 5000 logements bah be yale le dauphin a à à à kasua c'est la même chose que je vois. Enfin, Moi, ça me, ça me stresse. Mon Dieu Seigneur, quand je me balade là, je, je, je vois les gens aller manger sur la scène. Bon, la dernière fois je suis allé dans un restaurant, je suis monté dans le bateau. On est parti faire juste un tour. C'est-à-dire que les, les, les militants se disent que bon, pour manger, ça vous prend à peu près une heure, une heure et demie donc il y a dit vous voyez la tour Eiffel machin machin vous êtes là au dessus vous mangez le bateau pas tourner à la scène là bas la tour Eiffel va ça tourne machin machin a le temps d'arriver à dit vous bon va bon à bord ça vous pensez que si au Gabon il y a un bateau qui fait qui va tourner de quelque part les gens mangent un peu on mange bien le sur les, les, les bras de... Euh, les, les, nous avons des fleuves. Nous avons des fleuves. Ou quelqu'un peut... Moi, je me rappelle quand le pont de Kango était coupé. Le pont de Kango. Quand le pont de Kango était coupé, on montait sur le bac pour traverser. Mais quand la traversée était belle, parce qu'on voyait le paysage, c'était beau, mais... Mais le bateau, là, ne peut pas seulement traverser pour prendre l'eau. Vous pouvez créer un bateau qui fait monter les gens, les gens mangent un peu à midi, puis quelqu'un veut à Rien. On est capable de faire ça. Parce que le pays est géré par des voyous incompétents. Pas seulement acheter les maisons en France, aller faire la luxure, acheter les produits éclaircissants. Voyager n'importe comment, on ne sait pas où ils vont. Vous allez à New York, le même New York, là, vous êtes allé là-bas, plus des mille fois. Mais vous repartez là-bas, mais il y a des enfants perdus sur terre. Tu étais en France aujourd'hui, tu es rentré au Gabon, tu reviens encore en France demain, tu rentres au Gabon, tu reviens en France parce que tu t'ennuies au Gabon, il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire, pourquoi vous ne rien? C'est pourquoi vous, êtes, vous étiez dans la réjouissance un peu euh, quand vous avez fêté vos, votre 54e anniversaire, que vous ne cessez pas. Tout le, vous fêtez ça jusqu'au jour. Le 12 mars s'est passé depuis, mais vous êtes encore en train de faire votre projet de société au PDG sur le 12 mars. Ça s'appelle le 12 mars. Tout le monde fait maintenant le 12 mars dans toutes les provinces. On ne sait pas quel est l'objectif. Vous ne confusez pas. Hein? Mais enfin, vous, savez, vous, vous, vous êtes quel type d'individu, Seigneur le, le 12 mars, l'organisation du 12 mars, ça devient le projet de société du PDG. C'est ça, l'organisation du 12 mars. Oh, là, on me dit qu'ils sont en train d'organiser encore un autre 12 mars. Peut-être la semaine prochaine, là, à Libreville. Bah, ils disent, ce que vous avez fait à France, ce village, pas suffisant. Non, il faut encore organiser à Libreville un 12 mars. Projet de société, le 12 mars, organisation du 12 mars. C'est ça, là. Pendant ce temps, la route n'avance pas. zone. Osuka a dit qu'elle va finir, la route. On attend, Libreville Attends. Après, ils vont nous dire non. C'est parce que le coronavirus est arrivé. C'est parce qu'on a levé les mesures de restriction Qu'on n'a pas comment. On pas pu terminer la route parce que les gens ont repris le chemin. Ils, ils faisaient le bruit la nuit. On n'a pas, les, les, pas terminé la route parce que les bars étaient ouverts. Parce que bon, il y avait plus de crème. Parce qu'il y a eu la guerre en Ukraine. Parce que là, je vois maintenant là. J'ai lu. J'ai lu l'accord. Ils sont allés faire le point. Euh, vous êtes allé voir le défunt pour faire le point sur la guerre en Ukraine. Ça vous concerne. C'est notre guerre. Vous allez au au au, au, au voir le dauphin là-bas au lieu de parler de comment qu'on terminait la route le, la route là que tu as dit que tu as dit, vous allez faire le point sur la guerre en Ukraine vous êtes là-bas mineurs ukrainiens bah il faut c'est à dire que quand je lisais ça je disais mais quel est l'objectif non nous sommes allés voir le chef de l'État nous nous sommes assis avec Daouda on a fait le point sur la guerre en Ukraine vous êtes membre du conseil de sécurité. Ça vous regarde. Vous parlez russe. Les gens sont en train de faire leurs problèmes. Vous êtes loin à, 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 à 7000 km. Vous venez parler de leurs problèmes. Mais pour vous, vous voyez, quand, quand les gens s'ennuient, vous n'avez rien à faire. Il y a Nidzamia y Parler la guerre en Ukraine. Oh, on est allé voir le chef d'État, on a évoqué un peu, nous avons fait le point sur la guerre en Ukraine. Tu es, tu es, tu es, tu joues es, quel rôle dedans Vous êtes des Tchétchènes Ou bien vous voulez envoyer les militaires gabonais là-bas je ne comprends pas. Quel est l'objectif On ne connaît pas. Il y a En tout cas, moi, je termine en disant aux Gabonais que euh, je vais pas rester. Je, je, je suis resté assez longtemps. Mes frères, Jean-Rémy Yama a été injustement incarcéré. No matter how you look at it, that is unjustified. C'est injustifié. Nous devons montrer. Vous savez, il n'y a rien qui fait mal à un leader que lorsqu'il est pris et il, re, il, il, a, il remarque que vous qui êtes resté derrière, vous ne faites rien pour lui, en fait. C'est ça qui fait que quand le leader sort de là, il n'a plus envie de faire quoi que ce soit. Après, vous allez commencer à dire c'est là où vous allez maintenant amener vos conneries de Oh, mais il n'a pas les convictions. Où sont passées ces convictions On ne vit pas que de convictions. Les convictions ne sont pas suffisantes. Nelson Mandela, quand il était en prison, ce qui lui donnait la force, c'était de savoir que dehors, les gens se battaient. Pas seulement pour lui, mais pour les mêmes idéaux. Les gens se battaient. Il savait que les gens se battaient dehors. Et c'est parce que les gens se battaient dehors que ça lui donnait du poids à lui qui était enfermé. Si les gens qui étaient dehors, qui étaient eux restés dehors, avaient décidé de jouer. De, 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 de surfer sur la peur comme de nombreux Gabonais ont décidé aujourd'hui de surfer sur la peur mais Mandela serait resté en prison il serait peut-être mort là-bas mais on l'a gardé en vie parce qu'il savait que dehors il y a des, des répondants mais les Gabonais aujourd'hui surfent et décident de vivre dans la peur elle est elle est des fois justifiée, elle est souvent injustifiée. La peur là, est, je dis bien souvent, elle est injustifiée. Donc, à un moment donné, c'est à nous de prendre nos responsabilités, de décider où nous allons. C'est à nous de décider. Parce que je suis au regret de vous informer que si nous ne nous réveillons pas, nous, le peuple gabonais, dans très peu de temps, nous allons perdre notre pays. Nous avons nos frères qui sont venus se chercher au Gabon, qui sont en train de tout acheter. En ce moment, tout est en train d'être acheté au Gabon. Parce que même l'État gabonais, vous ne vous rendez pas compte que quand vous bradez, quand vous gardez votre population dans la misère, ils vendent plus aux francs. Les Gabonais sont en train de vendre les terrains aux Libanais. À nos frères libanais, ils sont en train de vendre les terrains aux, aux Marocains, ils sont en train de vendre les terrains à nos frères du Cameroun, du Congo. C'est-à-dire que tout est en train d'être vendu aux étrangers. Demain, ne vous plaignez pas quand vous allez voir que tout est vendu et les autres sont en train de construire. Après un moment donné, ils vont maîtriser l'immobilier partout et ils vont décider des prix. Parce que c'est pas pour vous. Pourquoi? Parce que vous les avez gardés dans la misère. Il n'y a plus de contrôle sur quoi que ce soit. On va perdre tout au Gabon. Le Gabon ne va plus nous appartenir. Ça va devenir, comme c'est en train d'être le cas, une société hybride. Nous allons être une population extrêmement hybride. Regarde déjà nos langues. Nous ne parlons pas nos langues. Ça veut dire que nous n'avons plus d'identité parce que la langue, la langue de manière fondamentale est le repère identitaire d'un peuple. La langue que tu parles, vous parlez. Il vaut mieux que l'étranger arrive au Gabon et parle notre langue. Mais si les gens qui sont dans leur, dans leur pays parlent les langues des étrangers, ça veut dire que c'est fini. Là, vous êtes en train de. Vous êtes sur le chemin de la perdition identitaire. Et c'est ce que le Gabon est malheureusement en train de devenir. Et, et, et sous les yeux de tous les Gabonais. Sous les regards de tous les Gabonais. Binevalade veut voilà, dire. Ça fait du bien quand tu es avec quelqu'un, même si mon même s'il lui parle pour nous, ça fait du bien de savoir que lui là parle pour nous. Mais au Gabon, on s'en fout. C'est pourquoi je dis aux Gabonais, et je termine par là, le lundi 11 avril 2022, la semaine prochaine. Il y a des enseignants en guise de solidarité à ce que subit Jean Rémi Yama. Il va être organisé à Libreville une journée école morte. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'école. Il n'y a pas d'école. Où... N'envoyez pas vos enfants. Nous allons filmer. Nous allons filmer. Je vous le dis déjà, hein, chers profs. Nous allons filmer tous les établissements là où vous allez m'envoyer les, les, les profs. Nous allons prendre que tel prof, on va vous mettre sur les réseaux sociaux que toi tu es parti à l'école. C'est ce qui va se passer, malheureusement. Donc, vous les profs là, bon, ça vous regarde, comme vous êtes des vendus, vous, vous en foutez, allez-y à l'école. Mais nous, en guise de solidarité pour Jean-Rémi Yama, nous avons décidé. Pas moi, pas moi. C'est pas nous. Ce sont les profs qui ont décidé. Mais moi, je soutiens ça parce que je suis quelqu'un d'engagé. Je ne fais pas les choses à moitié. C'est une action juste et je la soutiens. Je la valide. Je la valide. Partagez le live là partout où vous pouvez. Partagez ce live là. Envoyez ça à tout le monde. Parce que je n'accepte pas l'injustice. Non, je n'accepte pas l'injustice. Ce n'est pas normal. L'injustice, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Quand quelqu'un subit une injustice, quel que soit d'où il est, quel que soit son bord, je veux dire que ce n'est pas normal. Et vous, vous savez que je suis comme ça. Je ne suis pas quelqu'un de, 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 de... Non, je suis quelqu'un de vrai. C'est comme ça que je suis. Donc, véritablement, euh, moi je vous, euh, je vous exhorte, j'exhorte je les Gabonais à, à manifester de la solidarité, de la solidarité envers le, le grand Jean-Rémi Yama. Il a besoin de notre soutien. Il a besoin de voir que les Gabonais sont mobilisés pour lui. Par rapport à ce qu'il est en train de subir dans les géoles de la dictature au pouvoir. Donc, euh, je vous remercie de m'avoir suivi. Que Dieu protège.